Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être un cours qui va être préparatoire à ce qui suit. Ça va pas être de la cosmologie en soi, en fait, mais j'espère que ça va permettre de comprendre et d'aborder plus facilement, plus sereinement ce qui va suivre dans les fois suivantes. Plus précisément, quand on fait de la cosmologie, on décrit l'univers dans son ensemble par une théorie physique, on s'appuie pour ça sur la relativité générale, et on est amené assez rapidement à considérer la possibilité qu'on puisse vivre dans un espace-temps qui est courbe. Cette idée d'espace-temps courbe, elle n'est pas du tout intuitive, elle n'est pas du tout facile à se représenter si on veut effectivement s'en faire une image physique. Et ce que je vais faire ici, ça va être une première étape pour aborder certains des points reliés à ça, à la courbure. Alors, il y a plusieurs difficultés dans le fait d'essayer de visualiser un espace-temps courbe. D'abord, il y a le fait d'imaginer un espace-temps. Le temps et l'espace mis ensemble forment une structure qui a une géométrie qui n'est pas forcément très simple déjà. Et le fait que ça soit courbe en plus, ça rend les choses encore plus compliquées. Donc ici, je vais m'intéresser à une situation beaucoup plus simple. Je vais m'intéresser à un espace, pas un espace-temps, juste un espace, et qui en plus aura deux dimensions au lieu d'en avoir trois, comme celui dans lequel on vit actuellement. Donc en quelque sorte, je vais faire de la cosmologie de fourmi. Une fourmi qui vit sur un espace à deux dimensions. Et je ne vais pas m'intéresser pour l'instant à l'aspect temporel, donc pas à l'espace-temps de la fourmi, mais vraiment à son espace simplement. Et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est quelques propriétés qu'on peut dégager dans un espace à deux dimensions qui est courbe, voir comment cette courbure se manifeste pour la fourmi qui est sur sa surface en train d'essayer de faire de la physique. Et pour ça, je vais considérer deux situations en parallèle. Je vais considérer une fourmi qui vit sur un plan. Et je vais considérer une fourmi qui vit sur un espace courbe. Et je vais prendre comme surface courbe une sphère. J'aurais pu prendre une patate, une poire, la forme de n'importe quoi. La raison pour laquelle je prends une sphère, ce n'est pas simplement pour simplifier. C'est parce que comme on l'a vu la dernière fois quand on a étudié la cosmographie, quand on étudie, nous, dans notre univers, c'est les objets qui nous entourent, on s'aperçoit que l'univers autour de nous est essentiellement homogène et isotrope. Donc si on floute un petit peu les distributions locales de matière, le fait qu'il y a des endroits, c'est plus dense parce qu'il y a des galaxies, si cette masse-là, on la répartit un petit peu dans son entourage pour prendre la distribution moyenne, on s'aperçoit qu'effectivement, on a l'impression de vivre dans un univers qui est homogène, le même partout. Donc s'il est le même partout, ça veut dire qu'en particulier s'il a une certaine courbure, il a la même courbure partout. Et en dimension 2, une surface qui a une courbure constante, ça peut être par exemple une sphère. Je dis par exemple parce qu'il y a un autre type de surface à courbure négative sur laquelle je reviendrai vraiment tout à la fin comme une remarque. Mais voilà, si on prend une surface qui a une courbure positive constante, qui est la même partout sur la surface, eh bien on obtient une sphère. Donc on a une fourmi qui vit sur un plan et on a une autre fourmi qui vit sur une sphère dont je vais appeler le rayon grand R. Et alors j'insiste dès le départ sur le fait que cette fourmi, elle ne sait pas a priori qu'elle vit sur une sphère, elle ne peut pas regarder en haut ou en bas. Hein. Donc si elle est ici, elle, tout ce qu'elle voit, ce sont des phénomènes qui se déroulent sur la sphère. La lumière dans son univers se déplace sur la sphère elle-même, et une fourmi qui est ici et une fourmi qui est aux antipodes, par exemple, ne peuvent communiquer qu'en envoyant des signaux qui se propagent sur la sphère, qui ne peuvent pas faire un raccourci en passant par l'intérieur. Nous, on voit l'intérieur tridimensionnel, mais pour les fourmis ici, ça n'a pas de sens a priori. Bon. Alors ces fourmis, pour repérer les points dans l'espace sur lequel elles vivent, ici sur la surface, elles vont, comme on fait nous dans notre espace, prendre un point d'origine, un point O, voilà. Là, je vais prendre un point O qui est ici. Et elles peuvent repérer la position des points par différents systèmes de coordonnées. Et je vais choisir ici un système de coordonnées polaire. C'est-à-dire que la fourmi qui est ici se donne un axe de référence. Elle trace une ligne et elle dit ça, c'est ma référence. Cet observateur va faire pareil ici. Référence. Et alors j'insiste ici de nouveau hein, sur le fait que, attention, ce que j'appelle une ligne droite ici, on a une première difficulté ici, sur une surface sphérique, il n'y a pas de droite a priori, hein, une droite ça ne tient pas sur une sphère parce que la sphère est courbée. Bon. Mais ce qu'on va appeler des droites ici, ça va être des géodésiques, c'est-à-dire c'est les chemins qui relient de façon optimale un point à un autre. Si les points sont suffisamment proches sur la sphère, ça va être le chemin qui est le plus court entre les deux points.
d'une manière plus, disons, physique et plus visuelle, si j'ai un point ici et un point là, la géodésique qui relie ces deux points, c'est la forme que prend un élastique que je tendrai entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Donc, on a une direction ici de référence pour les deux observateurs, et puis la position de tout point M ici est repérée par deux nombres, la distance OM, donc c'est la distance radiale, c'est le rayon, et puis ici l'angle θ. Ici on fait pareil, si j'ai un point M ici, ben je prends la géodésique qui relie O à M ici, elle a une longueur R, encore une fois c'est la longueur de l'arc de cercle ici sur la sphère, et puis j'appelle ça l'angle θ. Voilà. Donc dans les deux cas, le point M est repéré par deux nombres R et θ. Voilà. On va s'intéresser à une première expérience que peuvent faire ces fourmis ici pour explorer l'univers dans lequel elles vivent, c'est de tracer, de matérialiser un cercle de rayon petit r, donc le petit r va être donné, et elles vont toutes les deux matérialiser un cercle de centre O dans leur espace. Qu'est-ce qu'elles font pour ça? Eh ben, elles prennent une corde qui a une longueur donnée, elles vont de là à là en tirant une corde de longueur r, donc elles peuvent mesurer, et puis elles se baladent en gardant la corde tendue pour former ici un cercle, et ici du coup on fait la même chose, la fourmi est ici tendue à accrocher sa corde de longueur R ici, et puis elle tourne en gardant cette corde tendue. Et du coup elle se retrouve à faire la trajectoire qui est ici en jaune, un cercle qui s'appuie sur la sphère. Et imaginons que ces fourmis se posent la question, quelle est la circonférence de ce cercle? Dans le cas qui est ici, la réponse elle est vraiment extrêmement simple. On a un cercle de rayon R dans un plan. La circonférence C est donnée simplement par 2π fois le rayon. Dans le cas de la sphère ici, c'est un petit peu plus subtil parce que nous qui avons une vision tridimensionnelle de la chose ici, on voit que le cercle jaune qui est tracé ici n'a pas pour véritable rayon physique. Petit r, il a un rayon que je vais matérialiser ou dessiner ici sur la figure. Son rayon est donné par cette longueur-là, une longueur qui va de là à l'axe ici de la sphère qui passe par O. Cette distance-là, je vais l'appeler ρ. Donc on a une distance ρ qui est ici. Et cette distance ρ-là, on peut aussi la relier à une autre grandeur qui caractérise la position du cercle. C'est l'angle qui est ici, là, alpha. Alors je vais préciser, alpha, donc là le pointillé, c'est un pointillé qui est à l'intérieur de la sphère, c'est l'axe en fait de la sphère qui passe par le point O. Voilà. L'angle alpha ici, c'est l'angle que fait que font le segment qui va du centre de la sphère à ce point-là et le segment qui va du centre de la sphère à O ici. Ça serait ce qu'on appelle la collatitude en coordonnées géographiques. Hein. Ça vaut zéro quand on est au pôle Nord, et quand on s'écarte sur des parallèles de plus en plus éloignés du pôle, et ben ça augmente pour arriver à pi sur 2 quand on est à l'équateur, par exemple. Et du coup, on a une première relation ici entre alpha et rho que je vais noter parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. On voit ici que si, quand on regarde la figure ici de deux côtés, on a un arc de cercle de rayon grand R, R ici, la distance qui est ici petit r, c'est celle de l'arc qu'on voit là. Ce que j'ai appelé alpha, c'est l'angle qui est ici. Donc on voit ici immédiatement, ça c'est de la trigonométrie de base, enfin c'est de la géométrie même, on n'a que alpha, c'est petit r sur grand R. Quand alpha est exprimé en radians, ça c'est même la définition en fait de l'angle en radians. Et je peux aussi indiquer du coup la distance rho, donc j'ai ça sous la main, rho est ici. Et j'aurai besoin assez rapidement de la distance ρ en fonction des autres paramètres. On voit que cette distance ρ ici est donnée par grand R fois sinus de l'angle alpha. Donc c'est aussi égal du coup à grand R fois sinus de petit r sur grand R. Voilà, j'aurai besoin de ça dans quelques instants. Donc je vous rappelle la question qu'on se posait ici, c'est quelle est la circonférence du cercle jaune que j'ai tracé ici. Bon. Ça, du coup, maintenant qu'on a mis toutes ces notations-là, c'est assez simple. Le cercle jaune, là, c'est un cercle qui, physiquement, a pour rayon ρ. Et donc, la circonférence de ce cercle, c'est 2π fois le rayon ρ. Et donc, c'est 2π fois, je reprends le ρ qui est ici, r fois sinus de petit r sur grand R. Donc, voilà la circonférence du cercle jaune sur la sphère.
et je recopie ici celle du cercle sur le plan, c'est 2π fois petit r. Donc les deux expressions sont différentes, et effectivement, on voit ici quelque chose d'un petit peu surprenant pour la fourmi qui habite ici. Hein. Elle, elle trace un cercle de rayon pour elle, hein, physiquement, elle a vraiment tendu une corde de rayon petit r et elle a fait un cercle. Si elle ne sait pas qu'elle habite dans un espace courbe, elle s'attend à ce que la circonférence soit donnée par cette relation-là, avec le petit r qui est là. Eh bien non, c'est donné par ça. Ces deux relations sont différentes. Donc ça, c'est une première manière de détecter qu'on vit dans un espace dans lequel il y a de la courbure à deux dimensions. C'est de tracer des cercles de rayons donnés, d'examiner le rapport qu'il y a entre la circonférence et le rayon petit r que nous, on mesure sur la surface dans laquelle on habite. Alors ça, c'est pas forcément super simple à faire en pratique. Hein. Si la fourmi qui est ici veut faire de la cosmologie et étudier son univers à des échelles de quelques mégaparsecs, elle va pas aller tendre une corde de 1 mégaparsec et puis faire un cercle qui a pour rayon 1 mégaparsec. Elle ne peut pas en pratique le faire. Cependant, le fait que les cercles comme ça, la relation entre circonférence et rayon soit affectée par la courbure, ça a un autre effet physique qui, lui, est mesurable. Et pour ça, il faut que je vous parle un tout petit peu de flux lumineux. Je vais laisser tout ça au tableau parce que je vais en avoir besoin maintenant. Et je vais vous parler de flux lumineux ici. Là. Imaginez que la fourmi ici observe une source lumineuse qui se trouve en haut. Et la fourmi se trouve au point M qui est ici. Et munie d'un télescope, elle observe la source O qui est ici. Ce qu'on appelle le flux lumineux reçu au point M ici, que je vais noter F... Ça, c'est défini par la puissance que je vais noter P émise par la source qui est ici, donc le nombre de joules par seconde, c'est en watts, hein, une puissance, voilà, la puissance émise, la quantité d'énergie par unité de temps, divisé par la circonférence du cercle qui est ici. Donc c'est vraiment pour la fourmi qui est ici, c'est la puissance qu'elle reçoit, du coup, par unité de surface. Si la fourmi qui est ici met un télescope qui a une certaine ouverture, que je vais noter grand L, elle va recevoir dans son télescope une puissance lumineuse, P reçue, qui est donnée par F fois L, la taille du télescope. Si le télescope est deux fois plus grand, la puissance reçue sera deux fois plus grande. En trois dimensions, ça serait vraiment la même chose, sauf qu'il faudrait remplacer ici la circonférence par la surface des sphères sur laquelle la lumière se répartit. Et ici, on aurait la surface du télescope et non pas la longueur linéaire du télescope. Mais pour la fourmi à deux dimensions, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, on voit que dans les deux situations qui sont ici, le plan ou la sphère, on a des flux qui évoluent de manière différente avec la distance. On voit que dans cette situation-là, le flux ici est donné par la puissance sur 2πr, alors que dans cette situation-là, pour la sphère, on n'a que le flux est donné par la puissance divisée par la circonférence qui est la formule qui est là-haut, 2π fois grand R, sinus de R sur petit r. Donc on a deux expressions ici différentes du flux. Alors je peux faire ici une remarque que j'aurais pu faire en fait dès tout à l'heure, mais je le fais maintenant. On peut remarquer ici une propriété quand même intéressante de ça. On voit ici que dans la limite où petit r sur grand R est très petit devant 1. Donc quand la distance à laquelle on s'intéresse est très petite devant le rayon de courbure de la sphère, on voit que dans l'expression qui est ici, le sinus est quasiment égal à son argument. Ça, c'est donc l'approximation des petits angles. Et on se retrouve ici avec ça qui est à peu près égal à 2π fois grand R fois petit r sur grand R, c'est-à-dire petit r. C'est-à-dire qu'on retrouve ici dans la limite où R est très petit devant grand R, on retrouve quelque chose qui tend vers ça. Donc si on fait des mesures ici qui sont qui restent assez localisées autour d'un point, assez localisé voulant dire à une distance qui est petite devant le rayon de courbure, en fait, le rapport entre circonférence et rayon est quasiment le même que dans le plan. Donc ça, cette remarque, on peut la faire ici aussi. Le rapport entre flux et distance, ces rapports sont comparables dans le cas de la sphère et dans le cas du plan si on reste à proximité de la source, mais dès qu'on s'en éloigne, on voit des différences.
Je vais tracer ici la courbe qui représente le flux en fonction de la distance. Là, je vais mettre petit r et là, je vais mettre le flux. Et je vais faire deux dessins. Un dans le cas du plan et un dans le cas de la sphère. Le cas du plan, je vais mettre en blanc. On a quelque chose qui décroît en 1 sur r, comme ça. Et si on trace ça, il suffit de le faire. En fait, voilà, on s'aperçoit que notamment que ça devient singulier quand le sinus ici s'annule. C'est-à-dire qu'on a ici une valeur remarquable. Le sinus s'annule quand son argument vaut pi. Donc on a ici petit r qui vaut pi fois grand r. Et pour cette valeur-là, le flux devient infini. Et entre les deux, on a quelque chose comme ça. Donc ici, ça suit la courbe blanche, c'est-à-dire que pour les r, les petits r qui sont petits, et bien effectivement, ces deux formules donnent la même chose. C'est ce que je montre visuellement ici en collant les courbes l'une à l'autre. Et puis, quand petit r augmente, et bien on a un écart entre les deux expressions qui devient de plus en plus grand pour devenir vraiment très visible pour des rayons qui s'approchent de pi fois grand r. Donc on a ici quelque chose qui peut paraître surprenant au premier abord. On a ici une courbe du flux dans le cas d'un espace sphérique. Le flux qui décroît en fonction de r, qui atteint un minimum, puis qui se met à augmenter quand r augmente. C'est-à-dire que passé une certaine distance, les sources qui sont très lointaines sont très lumineuses. Et elles sont d'autant plus lumineuses qu'elles sont lointaines. C'est super bizarre, hein. C'est absolument contraire à notre intuition. Si vous prenez une petite lampe et que vous l'éloignez de vous, plus elle est loin, moins elle va vous apparaître brillante. Bah, dans un espace courbe, au bout d'un moment, ça devient faux et la source devient de plus en plus brillante au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Et ça, on peut le voir ici simplement sur le dessin qui est ici. Si je fais une petite animation où j'imagine ici la source qui émet de la lumière. Et je vais tracer les fronts d'onde de la lumière à différents instants. Voilà, c'est les traits jaunes qui sont ici. Avec l'équateur qui est ici. Voilà. Et on voit qu'au fur et à mesure que la distance parcourue par la lumière augmente, les cercles ici, les circonférences des cercles augmentent progressivement pour atteindre un maximum au niveau de l'équateur. Donc si la circonférence augmente, ça veut dire que le flux diminue. Mais dès qu'on a passé l'équateur, les cercles qui définissent les fronts d'onde se mettent à se rétrécir, deviennent de plus en plus petits. Donc la lumière est concentrée sur des cercles de plus en plus petits. Et donc finalement, le flux augmente. Pour devenir singulier, au moment où on atteint l'antipode, qui est quelque part par là, voilà. Quand on atteint l'antipode, toute la lumière émise par la source se retrouve en un point, et du coup on a un flux qui est effectivement infini. Si toute la lumière est en un point, la quantité de lumière par unité de surface, ou ici par unité de longueur, devient infinie. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'asymptote qui est là. Et donc la fourmi, si elle veut faire de la cosmologie, c'est-à-dire déterminer la géométrie de l'espace dans lequel elle vit, si elle vit dans une surface plane ou une surface courbe, ce qu'elle peut faire, par exemple, c'est sélectionner un ensemble de sources qui ont une puissance donnée, les fameuses chandelles standards qu'on a vues la dernière fois, donc qui vont avoir le même P ici, et tracer pour des sources qui sont situées à différentes distances, tracer le flux apparent, le flux qu'on reçoit de ces sources. Elle va avoir des points qui vont être répartis de cette manière-là, et voilà, qui vont faire quelque chose comme ça, peut-être. Et donc, si effectivement la fourmi voit ça, elle va essayer de faire passer par ces points une courbe de ce type-là, en ajustant le paramètre qui va être grand R. Et là, elle va trouver que c'est aucune des deux courbes que j'ai tracées là qui convient, mais une jaune qui va faire ça, qui va indiquer simplement qu'effectivement, elle vit dans un espace courbe, dont le rayon de courbure est donné par pi R' ici. Donc, la forme globale ici de la courbe permet à la fourmi de déterminer le rayon de courbure de l'univers dans lequel elle vit. Donc simplement par des observations astronomiques. Alors je fais ici une remarque quand même sur un petit bémol, donc ça paraît vraiment très simple à faire. Il y a quand même il faut faire attention à quelque chose. Si vous regardez le cours de la dernière fois, celui d'avant, on a vu que pour déterminer les distances, on peut s'appuyer sur la relation entre le flux justement et la distance. Et j'avais écrit un moment que l'utilisation des chandelles standards repose sur le fait que le flux varie en 1 sur r carré. Si la fourmi ici applique ce même raisonnement dans son univers bidimensionnel, elle se dirait, voilà, le flux varie en 1 sur r, donc je peux comme ça relier le flux à la distance. Or, la relation qui est là n'est valable que dans un espace qui est plan. Donc si l'espace est courbe, la relation entre flux et distance est modifiée, donc ça se mord un petit peu la queue là.
Ça, on peut s'en sortir de cette sorte de ce cercle vicieux-là. Et on verra ça plus tard dans un cours à venir. Mais la solution, c'est de tracer le flux non pas en fonction de la distance, qui n'est pas facile à déterminer, mais en fonction d'une autre observable, qui est le décalage vers le rouge. Plus les objets sont lointains, plus la lumière qui nous en parvient est décalée vers le rouge dans un univers en expansion. On y reviendra en détail. Et du coup, quand on trace le flux en fonction de ce décalage vers le rouge, on peut faire l'exercice que je viens de dire ici, de faire passer une courbe théorique par des observations expérimentales. Alors, je voudrais maintenant mentionner une deuxième manière d'explorer la géométrie ici de l'univers dans laquelle vit la fourmi. C'est celle basée sur les tailles angulaires. Ça, j'en ai parlé aussi un petit peu la dernière fois. Je vous rappelle que la taille angulaire des objets est reliée à leur distance par la formule suivante. Si ici, j'ai un objet de taille L donné, là, c'était l'ouverture du télescope, je vais prendre un objet maintenant ici. Je vous rappelle que l'angle qui est ici est donné par, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler bêta, ici. Cet angle-là, bêta, est donné par L sur R. Donc, si on a un cercle ici, hein, et si L est suffisamment petit, si l'angle bêta est suffisamment petit, il est donné par le rapport entre L et puis la distance qui est ici, qui vaut R. Que devient cette relation sur la sphère qui est ici? Donc, la question que je me pose maintenant, c'est la suivante. Je vais enlever tous les ronds ici qui ne me servent plus à grand-chose, je vais en garder un seul. Je vais garder par exemple celui-là. L'équateur, je m'en fiche aussi un petit peu. Et donc j'ai un objet de taille L ici. Et la question que je me pose, c'est quel est l'angle apparent, la taille angulaire apparente de cet objet vu depuis le point O? Pour ça, je trace comme tout à l'heure les géodésiques qui vont des extrémités de l'objet au point O ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qui est ici là. Alors cet angle-là, je vais encore l'appeler bêta. Et alors, pour déterminer la relation entre bêta et L, le plus simple, c'est probablement de faire une règle de 3. C'est-à-dire, on a la relation suivante, je pense qu'elle vous sera évidente. L ici sur la circonférence totale, c'est donné par bêta, l'angle que je cherche, sur 2π. Ce que je suis en train de dire, c'est que je découpe une tranche ici de cette sphère, finalement. Cette tranche avec une ouverture angulaire bêta ici, eh ben, elle représente une fraction bêta sur 2π de la sphère totale. Et donc la longueur qui est ici représente une fraction aussi bêta sur 2π de la circonférence totale. Donc ça nous dit que bêta est égal à 2π fois grand L sur C, et le C est donné par l'expression qui est ici, donc L sur 2π. Fois grand R, sinus de petit r sur grand R. Et donc ça, c'est donné par les 2π se simplifie, L sur R, sinus de petit r sur grand R. Et on retrouve encore ce comportement en 1 sur sinus. On retrouve le fait que quand petit r est petit devant grand R, le sinus ici tend vers le rapport R sur R. Et donc ça, cette expression-là tend vers celle-là quand on est à petite distance et elle s'en écarte quand on est à grande distance. Si je trace comme tout à l'heure la relation entre bêta, la taille angulaire et puis la distance, pour un objet de taille L donné, ben, comme tout à l'heure, j'obtiens dans le cas plan quelque chose comme ça qui est en 1 sur R, et dans le cas de la sphère, quelque chose comme ça, avec ici de nouveau un comportement singulier en R égale à grand pi fois. Donc ça, c'est aussi une manière de voir qu'on est dans un espace courbe. On peut tracer en fonction de la distance, ou comme je mentionnais tout à l'heure, en fonction du redshift, du décalage vers le rouge, tracer la taille angulaire d'objets qui ont une taille physique qu'on pense connaître par ailleurs. Et selon qu'on a une courbe de ce type-là ou de ce type-là, on peut savoir si on est dans un espace courbe et même éventuellement déterminer la courbure de l'espace dans lequel on vit. Donc, vous voyez que la fourmi, elle a de quoi faire. Hein. Elle peut bien s'amuser ici en faisant des observations de cosmologie. Et elle a plusieurs moyens de déterminer qu'elle vit dans un univers qui est courbe. Donc, ça clôt la première moitié de ce que je voulais raconter dans ce cours. Je vais maintenant venir à quelque chose d'un tout petit peu plus technique, hein, dont on aura besoin assez vite dans la suite aussi. J'efface tout ça, ça je le garde, ça j'en ai pas besoin.
Ça, j'en ai pas besoin non plus. De toute façon, vous avez tout sous les yeux normalement. Et alors, la question que je vais aborder maintenant, c'est la suivante. J'ai un point M, comme tout à l'heure, qui a les coordonnées R et θ, en coordonnées polaires. Et je vais prendre un autre point voisin, N, qui a des coordonnées donc voisines, que je vais noter R plus dR et θ plus dθ. Donc je fais varier les coordonnées de dR et de dθ. La question que je me pose, et alors pour l'instant vous voyez peut-être pas pourquoi, mais faites-moi confiance, ça va intervenir dans la suite. La question que je me pose, c'est quelle est la distance entre M et N? Et je vais appeler cette distance dL. Donc ça c'est le dL ici, c'est la distance entre M et N. Et plus particulièrement, je vais m'intéresser à la relation entre dL et dR et dθ. Comment est-ce que dL dépend de dR et dθ? Bon, alors c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire non plus, si on le fait de façon méthodique. Ici, je trace le cercle de rayon petit r. Je trace le rayon vecteur entre O et N, qui lui a pour longueur r plus dr, et les deux segments qui sont ici font entre eux un angle qui vaut dθ. Alors du coup, là, ce qu'il faut simplement voir, c'est que quand dr et dθ sont petits, tous ces points-là sont proches. Il faut voir aussi que on est perpendiculaire au cercle qui est ici, hein, puisque c'est radial. Hein, voilà. Et quand du coup les distances sont petites, ça c'est quasiment ici un arc de... L'arc de cercle qui est ici est quasiment un segment droit. Ici, on a un segment droit. Ce segment droit ici a pour longueur dr. Le segment qui est ici a pour longueur r fois dθ. On a dθ ici, on a la longueur r, donc on a un segment de longueur dθ, et on a un angle droit ici. Donc si je fais un gros zoom sur ça, j'ai ici r dθ, j'ai là dr, et moi ce qui m'intéresse, c'est la distance entre les deux extrémités qui sont là. J'ai m qui est ici et n qui est ici, et là, évidemment, par le théorème de Pythagore, on a que la distance dl qui est ici, vérifie dl carré est égal à dr au carré plus r2 dθ2. Donc voilà la relation entre la longueur et les écarts de coordonnées, les variations des coordonnées que j'ai considérées. Maintenant, je vais faire la même chose sur la sphère. J'ai le point O qui est ici, j'ai un point M qui est ici, qui a ses coordonnées là, où r cette fois-ci c'est la distance le long de la sphère. J'ai un point N qui se trouve ici. De la même façon, ça, ce que je trace là, ça vaut R plus dR. Donc j'ai R ici et j'ai R plus dR ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais tracer le cercle ici de rayon R. Voilà. C'est celui que j'avais tracé tout à l'heure. Hein. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ça, j'efface parce que ça va me gêner pour tracer la suite. Exactement comme dans ce cas-là ici, hein, si ça fait R, on a R qui est ici aussi, tout ça fait R plus dR, donc là, on a simplement dR pour le petit bout qui est ici. Le bout qui est ici maintenant, alors lui, il est un tout petit peu plus subtil, donc ça, je l'appelle comme tout à l'heure dθ. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est la longueur qui est ici. Je vais mettre ce point-là P, donc c'est MP qui m'intéresse ici. Comme tout à l'heure, MP sur la circonférence du cercle, ça vaut dθ sur 2π. Je fais le même raisonnement de couper cette sphère en un secteur ici, une tranche d'ouverture angulaire dθ, et on a la relation qu'elle a. Et alors du coup, la distance MP qu'on cherche est donnée simplement par C sur 2π. C'est-à-dire, si on prend l'expression de tout à l'heure, je l'écris, allez, dθ. Je prends l'expression de C qu'on avait tout à l'heure, 2π R sinus R sur R, et donc ça fait... grand R, sinus de petit r sur grand R, dθ. Ce qui, au passage, est aussi égal à rho dθ. Ce que j'avais appelé rho, je vous le rappelle, c'était la distance qui est ici. Donc ça n'a absolument rien de surprenant. Donc le point qui est ici, il est sur l'axe qui traverse la sphère. Et donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'arc qui est ici, c'est un arc de cercle dont le rayon vaut ρ et qui a une ouverture angulaire dθ. Donc
effectivement, la distance kinétique ici, c'est rho dθ. Donc du coup, si j'ai rho dθ ici et dr là, comme tout à l'heure, j'ai un angle droit ici, donc j'ai, quand m et n sont suffisamment petits, quelque chose qui ressemble de plus en plus à un triangle rectangle, et le théorème de Pythagore me dit cette fois-ci que dl au carré est égal à eh ben, rho carré, dr2 plus rho2 dθ2. Ce qui est aussi égal à, si je l'écris avec les notations qui sont ici, dr2 plus r carré sinus carré de r sur grand r dθ2. Donc voilà l'expression de dl carré en fonction des écarts de coordonnées dans les deux situations. Cette relation entre distance et coordonnées, c'est ce qu'on appelle ça une relation métrique. Ça permet de déterminer des distances à partir de la connaissance de coordonnées. Et les nombres qui sont ici devant les coefficients dr carré dθ2, ça s'appelle les coefficients de la métrique. Ça joue un rôle extrêmement important en relativité générale. Et la relativité générale, essentiellement, nous dit que c'est la gravitation qui détermine ces coefficients-là. Et même de façon beaucoup plus forte, on peut presque dire que la gravitation sait les coefficients qui sont là. Donc ça se manifeste uniquement comme ça, en fait. J'aurai l'occasion d'y revenir sur ça tout à l'heure, c'est juste pour vous dire qu'effectivement ces coefficients ils jouent un rôle très important. Si on arrive à les connaître pour l'espace dans lequel on vit, ça nous indique justement la géométrie de l'espace dans lequel on vit. Donc pour un plan, on a cette relation-là, et pour une sphère, vous voyez que ça remplace ici le coefficient r carré par ici quelque chose qui est en sinus carré de r avec des constantes qui sont données par le rayon de courbure. Donc, Le terme qui est ici, il est vraiment important. Ça, là, le fait qu'on ait ça ou ça, ça nous dit justement qu'on est dans un espace qui est courbe ou pas, là, qui est sphérique ou qui est plan. Je vais donner une autre expression maintenant de dl carré. Je vais en quelque sorte refaire l'exercice, mais en prenant une approche complètement différente qui va être même plus facile à étendre au cas tridimensionnel, qui va même pouvoir se faire instantanément. On va pouvoir instantanément l'étendre au cas tridimensionnel. Et donc c'est parti, je vais prendre la situation de la sphère ici et déterminer dl carré, la relation entre dl carré et les écarts de coordonnées d'une manière différente. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. On s'en rappelle. Ça, c'est pareil. Et le raisonnement, c'est le suivant. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que la fourmi ne sait pas qu'il y a éventuellement une troisième dimension spatiale autour d'elle, que sa sphère elle est plongée dans un espace à trois dimensions. Nous, c'est comme ça qu'on l'a dessinée. Mais elle ne le sait pas. Mais nous, on le sait. Et on peut s'en servir de ça. C'est-à-dire que si, bêtement, on veut la distance mn ici, je peux très bien écrire que cette distance mn, elle s'écrit comme xn moins xm, où x, c'est les coordonnées cartésiennes, plus yn moins ym au carré, plus zn moins zm au carré. Et ça donne le carré de la distance mn. Ça, c'est la distance entre deux points dont on connaît les écarts de coordonnées. Donc, si je connais les coordonnées dans l'espace à trois dimensions, ici, dans lequel j'ai plongé la sphère de m et n, je trouve facilement la distance, ici, mn. Alors attention, une petite subtilité, là c'est la distance dans l'espace tridimensionnel, donc c'est la distance de la corde en fait qui traverse la surface, donc elle n'est pas sur la surface cette distance-là, donc là vous pourrez me dire non mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous on veut celle qui est sur la surface elle-même, l'arc de cercle ici qui relie MN, vous avez raison de le dire. Cependant, quand les écarts de coordonnées sont suffisamment petits, quand les points M et N sont suffisamment proches les uns des autres, ben, en fait la distinction entre l'arc et puis la corde devient de plus en plus négligeable en fait. Donc calculer l'un ou l'autre, ça revient au même finalement. Donc je vais m'appuyer sur cette approche là. Alors je ne vais pas prendre les coordonnées cartésiennes parce que ce n'est pas du tout les plus pratiques pour faire ça. Je vais prendre les coordonnées cylindriques. En prenant un axe Z qui est dirigé comme ça. Qui serait l'axe polaire là, pour la sphère que j'ai considérée ici. Et du coup, les coordonnées qu'on a à considérer pour le point M, c'est en coordonnées cylindriques. On a ici deux coordonnées polaires dans un plan perpendiculaire à Z.
Or, bah là, si vous regardez les coordonnées du point M dans un plan perpendiculaire à Z, le plan perpendiculaire à Z, c'est le plan qui contient le cercle qui est ici, là. Et donc, les coordonnées polaires dans ce plan-là, c'est ρ et θ. Donc, voilà les deux coordonnées qui correspondent à la position dans le plan perpendiculaire à Z. Et puis, il y a la coordonnée Z. Voilà les coordonnées cylindriques du point M dans ce que je viens de, ce que je viens de dessiner ici. Et dans l'espace tridimensionnel, la distance entre M et N au carré, ici, c'est donné par ben, la distance dans le plan, le carré de la distance dans le plan perpendiculaire à Z. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d rho 2 plus rho 2 d θ 2. Donc ça, hein, ça c'est le carré de la distance entre M et N si on projette les, ces deux points dans le plan perpendiculaire à Z, plus dz carré. Par ailleurs, les relations, les variables ρ et z ici sont, sont reliées entre elles, puisque si m et n sont tous les deux sur la sphère, on a que ρ2 plus z2 pour tous les points de la sphère sont donnés par r au carré. ρ2 plus z2, c'est finalement la distance qui sépare m du centre de la sphère qui est ici. Et la définition d'une sphère, c'est que tous les points sont à la même distance du centre, donc, et cette distance vaut grand R. Donc voilà, on a cette relation-là entre rho, z et grand R pour des points qui sont sur la sphère. Et du coup, ça, ça veut dire que si je différencie ça, je trouve que 2 rho d rho plus 2z dz est égal à 0. Ça, c'est une constante, donc quand je différencie, ça fait 0. Et donc, je trouve que dz vaut, les deux se simplifient, moins rho d rho sur z. Et je vais mettre cette expression-là, je vais la remplacer dans, dans la, l'expression que j'ai obtenue pour dl carré. Et je vais le faire directement sur la formule qui est ici. Donc j'efface le dz carré et je le remplace par l'expression qui est ici, ρ2 d ρ au carré sur z au carré. Alors je voudrais aussi me débarrasser du z carré ici, vous allez voir pourquoi dans, avec le résultat final qu'on a. Donc je vais utiliser de nouveau le fait que z2 plus rho 2 est égal à grand R2. Du coup le z carré qui est ici c'est grand R2 moins rho 2. Et je vais le remplacer ça aussi directement là-dedans. Donc ici on a R2 moins rho 2. Bon, bah, une fois qu'on a ça, je vais regrouper les deux termes qui sont ici, celui-là et celui-là. Je trouve du coup, je mets tout au même dénominateur, j'ai ici R2 moins ρ2 sur R2 moins ρ2 d ρ2 plus lui, ρ2 sur R2 moins ρ2, voilà. Plus, je recopie le terme qui est ici aussi, ρ2 dθ2, et on voit qu'ici que les ρ2 se simplifient, et on se retrouve avec R2 dρ2 sur R2 moins ρ2 plus ρ2 dθ2. Je l'encadre. Voilà l'expression de l'élément de longueur ici, exprimée cette fois avec les coordonnées ρ et θ. Ça semble pas très utile peut-être pour la fourmi, parce que ça fait intervenir une quantité ρ, qui est la distance entre chaque point et puis l'axe de la sphère, et ça, c'est pas une grandeur à laquelle la fourmi elle a directement accès. Mais bon, c'est pas, on va voir qu'en cosmologie en tridimensionnelle, c'est un petit peu la même chose de toute façon. C'est juste pour dire que du coup, le dl carré ici, on peut l'exprimer de différentes manières. Ça, c'est vraiment complètement équivalent à ça. Et on aurait pu d'ailleurs l'obtenir en faisant un changement de coordonnées, passant de r à rho. Hein. Si on veut le faire de manière purement mathématique, on peut montrer effectivement que ces deux quantités-là sont, sont équivalentes. Pour mémoire, je rappelle ici l'expression qu'on avait pour le plan. dr2 plus r2 dθ2. Donc on voit que, ce que les deux expressions qu'on a, dans un cas, ça change le facteur qui est ici, pour l'expression qui est là. Dans ce cas-là, ça change le facteur qui est devant la coordonnée de type radial, avec une réinterprétation de ce que veut dire le R qui est ici. Donc l'expression qui est là, je viens de dire qu'elle n'était pas forcément très utile pour, dans le cas d'une, de la fourmi, parce que ce n'est pas ce que vaut ρ. Cependant, le calcul-là, on peut vraiment le faire de manière très similaire. Dans le cas tridimensionnel, on va obtenir une formule qui est très très proche de celle-là dans le cas tridimensionnel.
Parce que la seule chose que ça va changer, c'est qu'on aura ici, non pas des θ carrés, mais on aura un angle solide qui va apparaître là, mais le terme qui est ici sera le même. Ça, on le verra vraiment au cours d'après. Bon, tout ça pour dire que voilà, on peut calculer cette métrique dans le cas d'une sphère, donc cette métrique qui relie la distance aux écarts de coordonnées, avec deux jeux de coordonnées ici différents. Ces expressions ici décrivent la géométrie de la surface sur laquelle vivent les fourmis. Pour terminer, juste pour indiquer ce qui va se passer dans la suite, on va aller un tout petit peu plus loin que ça. Imaginons maintenant que la fourmi fasse non pas de la géométrie sur sa surface, mais s'intéresse à faire vraiment de la physique relativiste, fasse de la relativité dans l'espace dans lequel elle vit, donc sur sa surface. Du coup, ce qui va l'intéresser, la quantité vraiment fondamentale en relativité restreinte, pour commencer, ce n'est pas l'unité de longueur, c'est ce qu'on appelle l'intervalle, qui est défini par C2 dt2 moins dl au carré, où le dl qui est ici, c'est précisément la distance infinitésimale entre deux points, celle dont je viens de parler ici, et puis on a le temps ici, et le point important, c'est qu'on a un signe moins entre les deux. Donc ça s'appelle l'intervalle relativiste, et ça joue un rôle extrêmement important en relativité restreinte. Du coup, en relativité générale aussi, parce que la relativité générale s'appuie sur la relativité restreinte. Et donc du coup, la fourmi qui fait de la cosmologie relativiste dans son univers, elle va écrire que dans le cas d'une sphère, on a ds2 qui est égal à c2 dt2 moins, et je vais prendre n'importe laquelle de ces deux expressions par exemple celle-là, r2 d ρ2 sur r2 moins ρ2 plus ρ2 dθ2. Et il faut que je rajoute les parenthèses ici, voilà. Et je vais maintenant écrire la même expression avec cette fois-ci ce dl carré là. Voilà, la fourmi qui fait de la relativité dans son univers courbe va écrire ces deux quantités-là pour l'intervalle. Si on se met à la place de notre fourmi qui fait de la cosmologie, là, en fait, la question qu'elle pourrait se poser dès le début, avant même de faire tout ça, c'est, même sans faire d'observation, c'est de se dire, tiens, je vis dans un univers qui est homogène, isotrope, quelle est la forme la plus générale que je peux écrire pour la relation entre ds carré et puis les coordonnées, donc par exemple par ici, par exemple r, t et puis θ, et elle va s'apercevoir que la forme la plus générale, elle est effectivement de ce type-là. On peut l'écrire sous la forme C2 dt2 moins dr2 plus quelque chose que j'ai noté f de petit r dθ2 avec un carré ici. Voilà. On peut montrer que c'est effectivement le cas avec seulement trois choix possibles pour f, avec f de r qui vaut ou bien tout simplement petit r. Donc dans ce cas, ça c'est si on a petit r ici pour f, ça veut dire qu'on a r carré. Ça c'est simplement le cas du plan. Hein. Ça c'est ça sera la géométrie de l'espace plan. On peut avoir grand r sinus de petit r sur grand r. Donc ça c'est le cas qui est ici. Finalement c'est le cas de la sphère. Ça c'est le plan. Et on a une autre possibilité aussi. On peut avoir grand r sinus hyperbolique de petit r sur grand r. Voilà, mathématiquement, c'est aussi une possibilité qu'on a. Et ça, c'est une géométrie qui est différente. Ce n'est pas celle d'une sphère, mais c'est celle d'une selle de cheval. Voilà, quelque chose où on a un col, si vous voulez. Imaginez comme ça. Si on s'amuse à faire l'expérience de tout à l'heure avec le gars qui est ici, qui tend une corde de rayon r donné, et puis qui fait aller cette corde, qui fait tourner cette corde pour décrire un cercle comme ça, dans la surface sur cette surface en forme de selle, on s'aperçoit en fait que la circonférence du cercle ici est plus longue que 2 pi r. Elle était plus courte ici dans le cas jaune, elle est plus longue dans le cas de cette surface ici. Ça s'appelle une surface à courbure négative. Et c'est aussi donc une possibilité dans le cas bidimensionnel. Et si on traduit ces trois possibilités
dans les coordonnées qui sont ici, qui font intervenir ρ, on s'aperçoit que ça change simplement le signe qui est ici. Le premier cas ici de la sphère, c'est celui qui est écrit au tableau là. Le cas du plan, c'est celui qu'on obtient quand grand R tend vers l'infini. Donc on a dans ce cas le dénominateur qui tend vers grand R carré, et donc ça simplifie avec ce qui est au-dessus, et on a simplement plus les termes qui sont là, on n'a que des rho carré. Donc ça c'est le cas du plan. Et le dernier cas qui est ici, celui de la selle de cheval, là, ça serait celui qu'on obtient en mettant un plus ici. Donc ça changerait le signe qui est ici. Donc on peut avoir, en résumé, on peut avoir ou bien pas du tout, on peut avoir un en facteur devant des rho 2, on peut avoir l'expression qui est là, ou on peut avoir l'expression qui est là avec un signe plus. Donc sans faire de calcul simplement sur des conditions de symétrie, la fourmi en fait peut déjà écrire des éléments d'intervalle relativiste de ce type-là. On vient d'en voir l'interprétation, hein, mais voilà, on peut le faire aussi de manière purement mathématique. Dernière remarque sur ça. On peut imaginer que, sans violer les symétries dont je viens de parler, en gardant un univers qui est homogène et isotrope, la fourmi peut très bien se imaginer que le rayon de la sphère dans laquelle elle vit soit une fonction du temps. On peut avoir le R ici qui est un R de T, et celui-là qui est un R de T aussi. Donc je vais le faire ici, je vais le réécrire. J'aurais dû laisser de la place en fait, je suis un peu bête. T rho 2, et ici on a R carré de T moins rho 2, et on a rho 2 ici. Donc ça veut dire ça, que la sphère sur laquelle se trouve la fourmi peut changer de rayon au cours du temps, peut se dilater, se contracter, voilà, et elle vivrait encore dans un univers qui est homogène, isotrope. Donc finalement, la métrique la plus générale que peut écrire la fourmi dans son univers homogène isotrope, c'est quelque chose de ce type-là. Et ça, je peux l'écrire d'une manière un petit peu différente. C2 dt2 moins, et je vais mettre r carré de t en facteur, pour obtenir ici d de rho sur r au carré sur 1 moins rho sur r au carré. Donc je ne remets pas les dépendances temporelles de R ici, mais R c'est aussi quelque chose qui dépend du temps. Plus, j'ai mis R2 ici en facteur, donc on a ρ2 sur R2, θ2. Voilà. Pour terminer, je vais faire un changement de variable ici, introduire une autre coordonnée radiale. Pour l'instant, là, ce qui intervient, c'est ρ. Donc quand j'ai un point M ici, je rappelle que ρ, c'est donné par cette distance-là, la distance entre le point et l'axe. Voilà. Quand j'avais noté alpha, la quantité qui est ici, donc alpha c'est donné par petit r sur grand R. Donc là on a tout, hein. Petit r, grand R le rayon de la sphère, rho la coordonnée radiale qui apparaît là. Et si on a une sphère qui est en train de gonfler, on voit que grand R augmente, du coup rho augmente en proportion. Et donc on a les coordonnées de grand M qui changent quand la sphère est en train de gonfler. On peut avoir envie d'introduire une coordonnée qui indique de manière plus stable la position de M, dans la mesure où elle serait insensible à une augmentation du rayon de la sphère. Je prends pour ça ρ' est égal à ρ sur grand R. Ce rapport-là, c'est simplement donné par l'angle alpha. Et du coup, quand le rayon de la sphère change, augmente ou diminue, un point qui est immobile sur la sphère, qui est attaché à la sphère, même si la sphère est en train de gonfler, sa coordonnée ρ, et d'ailleurs sa coordonnée θ aussi, ne vont pas changer. Donc cette coordonnée-là, on appelle ça une coordonnée comobile. On appellera ça, dans le cas de la cosmologie, une coordonnée comobile. C'est-à-dire que si l'objet est fixe et attaché en quelque sorte à l'espace dans lequel il vit, voilà, ces coordonnées ne sont pas sensibles à une expansion ou à une diminution de la taille typique ici, ou du rayon de courbure de l'univers. Donc si je fais ça là-dedans, on a ici d ρ' au carré, on a ici ρ' au carré, et on a ici ρ' au carré. Et donc on a une expression qui est finalement assez sympathique, puisque on trouve que ds2 c'est c2 dt2 moins, ce terme-là ça donne la géométrie d'une sphère de rayon unité finalement, et tout ce qui concerne la taille physique de la sphère dans laquelle on vit, le rayon de courbure de l'univers, est ressorti là-dedans. Voilà. Donc
Et on verra que dans l'univers dans lequel on vit, on peut aussi écrire la métrique sous cette forme-là. Et le fait que l'on vive dans un univers en expansion ou pas, c'est déterminé par l'évolution temporelle du facteur qu'on met devant là. Ça, j'y reviendrai dans le cadre tridimensionnel la prochaine fois. Je m'arrête ici pour cette cosmologie de fourmis. On en fera de la vraie à partir du prochain cours.